Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui sont déjà connectés sur le webinaire. Début du direct dans quelques minutes. Merci de bien rester connectés avec nous. Début du direct dans quelques minutes de ce webinaire dans le cadre de la Semaine européenne des CCI. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être connectés à ce webinaire en direct dans le cadre de l'événement national La Semaine européenne des CCI, bien la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'actualité. Et d'ici donc cette table ronde entre un parlementaire européen et représentant des milieux économiques pour échanger sur l'action de l'Europe en termes de mobilité. Alors, respect des règles sanitaires, port du masque et distanciation physique de rigueur. Le cadre est posé d'ailleurs à nos intervenants si vous le souhaitez. Et moi, je vais le faire. Je vous propose d'ôter vos masques. C'est mieux pour respirer et c'est mieux pour prendre la parole. Tout de suite, sans plus attendre, pour ouvrir cet événement, je vous présente et je donne la parole à Philippe Guéran, le président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Président, bonjour. Merci d'être avec nous, évidemment. Merci de nous accueillir. Vous avez la parole pour l'ouverture. Merci, cher Philippe, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux d'ouvrir cette table ronde organisée par la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la Semaine européenne des CCI. Cette semaine, inaugurée lundi soir par un échange entre les présidents des CCI de région et Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, a pour but de mettre en valeur le rôle de l'Europe au cœur de nos territoires, mais aussi de préparer la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Dans chaque région de France, des tables rondes vont ainsi mettre en exergue l'action territoriale de l'Europe aux côtés de l'État et des collectivités locales. Ces échanges nous paraissent extrêmement importants à trois titres. Tout d'abord, nous savons tous que l'Europe est devenue un niveau d'intervention majeur en matière économique et qu'en particulier, elle jouera un rôle clé dans les mesures de relance nécessitées par la crise sanitaire. Ensuite, nous portons tous collectivement la responsabilité de dire en permanence ce qu'est l'Europe et ce qu'elle peut nous apporter dans un contexte où elle est parfois quelque peu mal perçue. On peut d'ailleurs se réjouir des résultats du dernier Eurobaromètre qui montre que la confiance des populations dans l'Union européenne est à son plus haut depuis 10 ans. En revanche, si le taux moyen de confiance est de 49%, il tombe malheureusement à 39% en France. Par ailleurs, les CCI ont commandé une étude à Opinionway pour l'occasion et il en ressort que si 68% des entreprises pensent que l'Europe contribue à l'économie de la France, elles ne sont que 45% à penser la même chose pour l'économie de la région. Et les attentes exprimées concernent surtout des domaines régaliens et ne citent pas du tout la participation aux infrastructures. Nous avons donc encore un travail important d'information et de conviction à mener. Enfin, cette semaine est l'occasion de faire entendre la voix des territoires et d'engager une démarche bottom-up, parce que nous le savons tous, une Europe qui réussit, c'est d'abord une Europe à l'écoute du terrain. Et pour cette table ronde d'Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons choisi de travailler des questions de mobilité, d'infrastructure, de transport et tout particulièrement du magnifique projet de la liaison ferroviaire transalpine. Je remercie donc spécialement Brice Hortefeux, député européen, ancien ministre et conseiller spécial du président de la région, d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Cher Brice, c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement en tant que membre de la commission transport du Parlement européen, et nous connaissons en outre votre engagement sur ce thème dans notre grande région. Merci pour votre présence.
Alors pourquoi ce choix? D'abord, parce qu'en défendant la réalisation des grands réseaux de transport, nous agissons non pas seulement dans l'intérêt de notre territoire, mais aussi dans celui de l'Europe. C'est particulièrement flagrant s'agissant de la Transalpine. Au contraire de ce que certains ont pu laisser croire, il ne s'agit pas de relier Lyon à Turin. Et il ne s'agit pas non plus d'un simple franchissement des Alpes. Il s'agit en réalité d'un projet à vocation intercontinentale, puisque nous sommes en train de réaliser un maillon essentiel de la première transversale moderne reliant l'Atlantique à l'Europe de l'Est, Algésiras à Budapest, et ouvrant ensuite la porte vers la Russie et l'Asie. Par ailleurs, nous fabriquons aussi le chaînage manquant entre les dorsales qui sillonnent le cœur de l'Europe et dont la vallée du Rhône constitue l'ultime élément occidental, quasiment en périphérie des échanges centraux. Le maillage qui va résulter de cette nouvelle infrastructure sera donc d'une extraordinaire fécondité pour les mouvements intra-européens, mais aussi mondiaux. Je n'oublie évidemment pas en disant cela que si l'Atlantique sera relié à cette ligne, la Méditerranée le sera aussi, ce qui donnera, n'en doutons pas, un élan d'un autre ordre de grandeur au transport sur le Rhône depuis le port de Marseille. Notre projet s'inscrit donc pleinement dans la construction et l'intégration européenne au profit de la compétitivité des États de l'Union et en positionnant notre région au cœur de cette dynamique. Car bien entendu, d'un point de vue purement régional, la question des mobilités est également majeure pour le bon fonctionnement de notre économie, qu'il s'agisse de l'amélioration de la chaîne logistique, et nous en avons expérimenté le caractère crucial avec l'explosion du e-commerce pendant la crise. Qu'il s'agisse des conditions de la relance en matière de développement commercial ou d'approvisionnement en matières premières qui font actuellement cruellement défaut. Qu'il s'agisse des conditions de déplacement des salariés, de leur confort de vie et donc de leur productivité. Nous enregistrons des alertes fortes sur les difficultés de recrutement, notamment liées au transport. Qu'il s'agisse enfin de la transition écologique dont le volet mobilité est naturellement fondamental. La vérité, c'est que le monde post-Covid sera encore plus concurrentiel que le monde d'avant. Et il est donc de notre devoir d'assurer dès aujourd'hui notre futur économique et notre avenir environnemental. Je veux saluer pour terminer toutes les personnalités qui ont accepté d'échanger aujourd'hui avec Brice Hortefeux, Jean-Luc Ronicher, président du MEDEF régional, Cyril Amprino, représentant François Turcat, président de la CPME régionale, Pierre Jamais, vice-président délégué de la Transalpine, Thierry Bonnet, président de la Chambre de commerce italienne à Lyon, Cécile Avzard, présidente de Medlink et directrice territoriale de VNF, Cécile Combonde, coprésidente de TLF Sud-Est, Claude Barbin et Bruno Gastine, présidents respectivement de la CCI Puy-de-Dôme, Clermont, Auvergne, Métropole et de la CCI de Savoie. Merci à tous pour votre présence. Je veux aussi saluer évidemment toutes les personnes qui suivent ce webinaire à distance. Les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore de vous recevoir à la CCIR, mais j'espère que ça ne tardera plus. Et en tout cas, nous essaierons, en fonction de l'heure, de traiter en fin de rencontre quelques questions qui ont été posées par le chat. Je donne sans plus attendre la parole à Brice Hortefeux et ensuite Philippe Montanet, notre animateur bien connu, animera les deux séquences de la table ronde. Merci. Alors, je pose la question à l'animateur. J'interviens combien de temps là ? Le temps que vous voulez, mais le plus court possible. Soyons clairs. Je peux faire très très bref. Allez-y. Bon, Monsieur le Président, cher Philippe, merci de cette invitation. Finalement, je parle devant des originaux. Parce que invité à parler de l'Europe, normalement, c'est un sujet qui fait fuir. Donc, je vois que vous êtes là. Et puis, le deuxième signal de l'originalité, c'est que nous sommes tous en cravate, ce qui est tout à fait exceptionnel aujourd'hui dans les réunions, puisque personne, beaucoup en tout cas, renonce à l'effort d'une autre cravate du matin, et je ne dis pas ça pour... C'est ce que j'allais dire, vous ne me visez pas. Pas autour de la table. Vous avez évoqué plusieurs sujets. D'abord, il y a le premier élément, c'est qu'on se réunit, se retrouve à un moment qui est quand même un moment totalement inédit dans l'histoire du monde, en tout cas sur les deux derniers siècles, et que ça a des conséquences sur les sujets que vous abordez aujourd'hui.
parce que notre défi, c'est d'abord de surmonter la pandémie. Et on ne peut pas espérer que les choses reviennent à la normale si on ne surmonte pas cette pandémie. Et la pandémie, c'est aussi la mise en cause de l'Europe. Vous avez évoqué des sondages qui me surprennent d'ailleurs un peu, et concernant la perception de l'Europe. Et vous trouvez que je suis un peu loin, voilà. Peut-être pour ça. Pourtant, j'ai une petite habitude des micros, mais je ne sais pas pourquoi, d'une faiblesse ce matin. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'Europe a à la fois suscité des attentes dans cette crise et en même temps entraîné beaucoup de déceptions. Parfois avec raison, mais aussi à tort. Les attentes, c'était l'approvisionnement en vaccins. Et l'Europe a tenté quelque chose qui est assez inédit dans l'histoire de la construction européenne, c'est de globaliser les achats avec un objectif, éviter que les plus petits pays ne soient pénalisés. Et un deuxième objectif, c'était les prix. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, mais c'est plus facile à dire après qu'avant, que c'était une double erreur. Parce que les petits pays, entre guillemets, les pays de moins de 10 millions d'habitants, se sont efforcés d'acquérir les vaccins par d'autres voies. Je rappelle la Hongrie, je rappelle l'Autriche, je rappelle la Slovénie, tout ça qui ont tenté d'avoir les vaccins russes, chinois. Donc la globalisation n'a pas fonctionné. Et concernant les prix, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout le sujet. Et regardez ce qui s'est passé en Israël, où le Premier ministre israélien a assez habilement mis le maximum sur la table. Les résultats, plus de 50% de la population est vaccinée. Et donc, ce que vous disiez à l'instant sur l'Europe, c'est à la fois l'espoir et l'impuissance. Ça résume ça. Deuxième élément, c'est vrai que l'incrédulité vieille de l'Europe, c'est aussi que l'Europe n'a pas fait bien dans l'aspect sanitaire. Et là aussi, moi, je ne sais pas comment vous le vivez, mais je suis quasiment tous les matins totalement éberlué par ce que j'entends dans les médias, et notamment sur la situation de notre pays, où tout se passerait correctement en termes de données, de personnes contaminées, de soins apportés, de morbidité, ainsi de suite, alors que on nous citait en tout cas régulièrement en exemple le Brésil, les États-Unis, à comparer avec l'Europe. En fait, on s'aperçoit que si l'on prend la France, nous sommes rapportés à la population très exactement dans la situation du Brésil ou des États-Unis avant la mise en œuvre des périodes de vaccination. Donc tout ça pour dire que on est à la fois un continent et un pays de ce continent qui sommes très directement touchés par cette crise et par les conséquences que cela peut avoir. Donc, premier objectif, c'est d'abord de surmonter cette crise sanitaire. C'est sans doute, je l'espère, en voie. Deuxième objectif, c'est d'éviter la crise sociale. Normalement, menace tous les secteurs de l'économie. Là, sur ce plan-là, le gouvernement et les gouvernements européens pratiquent à peu près tous la même chose, et surtout ce que l'on constate, c'est qu'ils vont prolonger les aides un peu en réalité au-delà de ce que la simple observation des statistiques. Troisième élément, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire comment relancer. Et la relance, aujourd'hui, on s'aperçoit que là aussi, l'Europe est un peu à la traîne. Puisqu'on a été plus touché que les autres dans la récession, on est plus touché que les autres par la dette qui flambe, et on sait aujourd'hui que globalement le continent européen ne retrouvera pas, va retrouver un niveau de croissance qui est de l'ordre de 4% sans doute en 2021, alors que les États-Unis ça va être plus de 7%, 7,2 selon la Fed. Donc, il y a un différentiel, là aussi, qui pose problème. Donc, une fois qu'on a ces éléments sanitaires,
l'aspect vaccinal, j'en ai parlé. La question sociale, peut-être qu'elle va être surmontée, mais j'en suis personnellement pas convaincu. Et je le dis devant Claude, mais moi je suis très inquiet sur un certain nombre de secteurs économiques de nos territoires, plus particulièrement dans les départements. On voit des entreprises qui sont des entreprises de 200, 300 salariés qui sont très directement menacées aujourd'hui, et géographiquement dans les différents secteurs du département. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que l'Europe peut faire ? Et j'imagine que je ne veux pas être en contradiction avec le secrétaire d'État sur ce point. L'Europe a pris un certain nombre d'initiatives qui, sur le plan économique, financier et budgétaire, vont, à mon avis, dans le bon sens. D'abord, le premier élément, c'est le plan de relance européen. Là aussi, force et faiblesse. Le plan de relance européen, c'est un plan de 1 800 milliards, dont à peu près 40 milliards pour notre pays. Donc quelque chose de massif, qui n'a rien à voir avec ce que font les États-Unis, mais enfin c'est quelque chose quand même d'assez massif. Donc ça, c'est la force. Faiblesse, pour l'instant, il n'y a pas encore un centime qui a été versé. La France, c'est 40 milliards. L'Espagne, on est le troisième bénéficiaire. L'Espagne, c'est 140 milliards. L'Italie, c'est 200 milliards. Mais pour l'instant, en tout cas, nous, on n'a pas vu. Mais c'est néanmoins une promesse. Pourquoi on ne l'a pas vu ? Parce que c'est toujours très compliqué. La Commission, le Conseil, le Parlement européen, qu'il faut reconnaître de faciliter pas les choses, et ainsi de suite. Donc, première mesure pour s'en sortir, plan relance européen. Deuxième mesure, ce n'est pas notre sujet, c'est le plan de relance français. On annonce, là aussi, les médias, pour parler de l'Europe, pour ça que je suis surpris, encore une fois, de votre enquête d'opinion. Sur le plan de relance, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas inventé pour l'occasion, parce que ça me paraît bizarre. Bon. Mais le plan de relance français, 100 milliards, c'est en réalité 100 milliards, dont 40 milliards européens. Mais qui, encore une fois, ne sont pas toujours là. Vous avez ensuite, dans les aides européennes, vous avez le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Parce que dans le plan de relance européen, il y a une partie qui doit être prévue pour les transports. Que j'arrive à votre sujet. Donc, il y a une partie qui est de l'ordre d'un peu plus de 22 milliards. Vous avez vu pour les transports. Vous avez aussi, toujours sur cet aspect-là, parce que c'est un secteur essentiel pour la relance de l'activité, vous avez donc ce mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Et c'est précisément, pour vous donner l'exemple, c'est ce qui finance en partie le Lyon-Turin. Ça passe par cette ligne budgétaire. Vous avez la politique de cohésion des territoires. Là aussi, il y a des conséquences. Alors là, c'est essentiellement, vous connaissez le mécanisme, les fonds FEDER. Et puis, la semaine dernière, vous avez eu, ça a été voté par le Parlement européen, donc ça, on n'a pas tellement parlé en presse, pourtant, c'est assez important. Vous avez un autre plan qui vient s'ajouter à ceux que je viens de présenter, qui s'appelle le plan Horizon Europe. C'est-à-dire, c'est un plan qui encourage, enfin qui finance la recherche de nouvelles technologies et notamment des carburants alternatifs. Parce que aujourd'hui, et ça vous le savez, c'est que tout tourne autour de la question environnementale dans les choix qui sont faits. Et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, elle a axé, c'était d'ailleurs assez inattendu de sa part, mais en tout cas, elle axe toutes ses réflexions, tous ses axes, toutes ces propositions sur la protection de l'environnement, la qualité de l'air, les modes alternatifs, et ainsi de suite. Donc, et enfin, vous avez un autre plan qui s'appelle Invest Union européenne, qui est un plan qui existe, c'est un autre nom de quelque chose qui existait précédemment, mais qui, là aussi, doit aider à l'investissement. Donc, tout ça pour vous dire que sur la relance et les efforts pour la sortie de crise, il y a au moins 3 ou 4 plans qui s'additionnent avec chacun une partie qui porte sur l'évolution du mode des transports. Donc il y a donc une préoccupation qui est une préoccupation affirmée. Alors, deuxième élément, quels sont en même temps ces objectifs ? Parce que c'est ce que je dis à l'instant, c'est qu'aujourd'hui l'Europe
a le mot à la bouche, environnement, qualité de l'air, transport, report modal, et ainsi de suite. Donc, quels sont les objectifs? Et là, il faut qu'à mon avis, les acteurs économiques les intègrent particulièrement. Enfin, j'imagine que le groupe Combronde l'a parfaitement intégré déjà depuis un moment. Et ce sont des objectifs incroyablement ambitieux. Moi, je pense qu'ils sont même d'ailleurs totalement trop ambitieux. Mais en matière de précisément de protection et de qualité. Je vous donne simplement quelques chiffres. L'Europe fixe comme objectif la réduction de 80% des gaz à effet de serre d'ici à 2050 en prenant comme base 1990. Donc, alors, c'est quelques années, mais enfin, diminution à 80%, je ne suis pas sûr que d'abord notre pays puisse le faire. Je suis quasiment certain que la Pologne ne saura pas le faire, elle n'arrivera pas à le faire pour des raisons de son organisation économique et ainsi de suite. D'ici, même deuxième objectif qui m'avait frappé, c'est d'ici à 2050, là aussi, l'Union européenne doit être neutre en émissions carbone. Bon. Alors, bien sûr, il faut qu'on prenne notre part. Enfin, je le rappelle parfois dans des médias, c'est que vous partagez cet effort. La France est responsable de 1% à l'échelon mondial des émissions de gaz à effet de serre. Donc, bien sûr qu'il faut combattre notre coupe, bien sûr, ça va de soi, on nous le demande tous les jours, mais enfin, notre responsabilité est relativement modeste. Et là aussi, l'Europe fixe un objectif très ambitieux. Et pourquoi j'insiste sur cet aspect-là, c'est que tous les secteurs, naturellement, sont directement impactés. L'industrie, bien sûr, la construction, naturellement, et bien encore davantage, naturellement, les transports. Et, puisque les transports, c'est, si on se limite à notre pays, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Seul secteur des transports, c'est 20%. Donc, les objectifs sont extraordinairement ambitieux. Et que dit l'Europe sur ces sujets? L'Europe dit, vous avez en réalité deux moyens pour parvenir à atteindre ces objectifs. Le premier moyen, eh bien, c'est les transports alternatifs, la route, c'est-à-dire, exactement, les transports alternatifs à la route et à l'aérien, le fret aérien aussi qui compte. Et deuxième levier, c'est tout simplement, selon l'Europe, la transformation de ces deux moyens, la route et l'aérien. Qu'est-ce que ça veut dire, la transformation? Eh bien, je ne vais pas m'étendre maintenant, parce que je crois qu'il s'est évoqué. Bah, ça veut dire qu'on fait appel à d'autres systèmes, notamment l'hydrogène, ça fait, et ces objectifs de réduction. Donc, voilà. Et, dernier point, pour terminer par ce que vous avez évoqué, c'est sur le Lyon-Turin. Parce que le Lyon-Turin, c'est symbolique de tout ça. Pourquoi c'est symbolique de tout ça? C'est pour faciliter les liaisons, un rythme qui est relativement raisonnable. Parce que, à vrai dire, ce matin, en regardant, je me posais la question, depuis quand on parle de ce Lyon-Turin? Vous savez, depuis 1994. C'est acté depuis 1994. Et si tout va bien, c'est acté en 94, et c'est, si tout va bien, le meilleur des cas, ça sera 2030. Si les Savoyards se mettent d'accord. Je sais pas. C'est pas sûr. Bon. Donc, mais en tout cas, c'est l'objectif. Donc, et ce Lyon-Turin, pour lequel la région, d'ailleurs, participe, fait partie des collectivités, puisque l'investissement de la région pour le Lyon-Turin, ça sera sans doute même 650 millions. Dire que le président du conseil régional il y a une volonté, parce qu'il n'y avait pas d'obligation, c'est pas de sa compétence, mais il y a une volonté de participer, parce qu'on pense qu'effectivement c'est indispensable à la fois sur le plan du trafic passager et comme du fret. Mais nous, on soutient cela parce que pour ces deux raisons, mais aussi parce que ça peut permettre une performance énergétique,
Ça améliore la qualité de l'air. On a sans arrêt des reportages nous indiquant que, naturellement, c'est une zone géographique qui est extrêmement polluée. Et cela aussi, c'est la raison pour laquelle nous, dans la vision qui est celle, qui doit être celle de la région, c'est que ça renforcera la compétitivité de l'ensemble. Donc, c'est un des exemples. Le Lyon-Tourin, ce n'est pas le seul, je pourrais en prendre ailleurs, mais dans notre région, c'est un des exemples d'une des conséquences concrètes de l'action de l'Europe sur ce point. Voilà, pardon, j'ai été... Non, ne vous excusez pas, c'est intéressant et vous allez avoir évidemment tout au long de cette table ronde l'occasion encore de reprendre la parole. Merci donc pour cette introduction et pour cette mise en perspective. Précision pour celles et ceux qui sont connectés en direct, n'hésitez pas à laisser vos questions sur le chat. Il y aura un temps très court en fin d'émission pour vous répondre. Des échanges, du concret, un timing à respecter, les actions de l'Europe en termes de mobilité. Et la première séquence, effectivement, concerne le sujet que vous évoquiez, la transalpine, la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Et je me tourne tout de suite vers Jean-Luc Rodichère. Bonjour, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Le MEDEF a rappelé à plusieurs reprises déjà toute la nécessité du projet, notamment dans le cadre des réseaux européens de transport. Jean-Luc Rodichère, pour vous, la transalpine répond aux besoins économiques des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, naturellement que ce projet, enfin, qui va devenir réalité, comme vient de le dire feu en 2030 répond aux besoins. Au-delà de tout ce qui a été dit et auquel, bien sûr, je souscris en tout point, ce que je voudrais dire en tant que représentant des entreprises, il y a beaucoup de représentants des entreprises autour de la table, c'est notre préoccupation, c'est un peu le slogan, c'est notre slogan au niveau du MEDEF, d'agir ensemble pour une croissance responsable. On se heurte aujourd'hui, c'est peut-être un propos un peu politique, mais on se heurte même lorsqu'il s'agit même d'un projet qui vient empêcher 3 millions de camions qui transitent par les Alpes par an et qu'on propose évidemment cette solution alternative et économe, si je puis dire, en émissions de CO2, puisqu'il y aura, lorsque tout ça sera mis en route, 40 millions de tonnes qui passeront chaque année par le Lyon-Turin, 5 millions de passagers. Mais on se heurte encore à des oppositions, y compris dans cette belle ville de Lyon, des oppositions absolument incompréhensibles, pensant justement, parce que agir ensemble pour une croissance responsable, à partir du moment où on croit qu'on peut croître encore, progresser par la technologie, par l'innovation, par la recherche et le développement, par les sciences, on peut encore se développer, faire beaucoup, tous ensemble, on l'a vu pour la vaccination, monsieur le ministre, vous en avez dit un mot. Eh bien, on a malheureusement, et donc mon propos sera peut-être plus, il est politico-économique, on se heurte aujourd'hui à des apôtres de la décroissance. Donc en réalité, oui, je crois qu'il faut qu'on fasse tous bloc pour l'intérêt de nos entreprises, nos entreprises qui se battent quotidiennement pour progresser, pour aussi avoir des comportements exemplaires et en matière environnementale, avoir tendre vers la neutralité carbone. Au passage, même en France, on a considérablement progressé. Alors, la difficulté, c'est le bilan global, parce qu'on importe aussi beaucoup de produits qui viennent évidemment qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas toujours produits comme il le faudrait ou comme on nous l'impose. Donc, une taxe carbone aux frontières, monsieur le ministre, je pense que c'est quand même, alors, sans doute une usine à gaz, si vous me passez l'expression, mais sans doute quelque chose d'absolument indispensable. Voilà, j'en dirai pas plus et je laisse mes collègues prendre la suite. Vous avez beaucoup dit et très précis, les apôtres de la décroissance, je note, les apôtres de la décroissance. Merci Jean-Luc Rodichère. À côté de vous, Bruno Gastine, président de la CECI de Savoie. Dites-moi, ce projet, effectivement, va être un vecteur d'emploi, un vecteur de croissance, évidemment, mais qu'est-ce que la transalpine va apporter aux entreprises de la région en termes de compétitivité? Voilà. Et puisqu'on fait un échange de micro, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à tous les intervenants de bien s'approcher du micro afin qu'on les entende, notamment pour le direct, pour les personnes qui sont connectées, même si ici, c'est vrai, dans la salle, on a un très bon retour, mais rapprochez-vous, s'il vous plaît. Bruno Gastine, donc en termes de compétitivité. Merci Philippe. Donc oui, la compétitivité, Brice Hortefeux l'a évoqué à l'instant. C'est vrai qu'on parle souvent de la transalpine comme un formidable levier de transfert modal, de réduction de notre empreinte carbone, mais c'est aussi un moyen essentiel de massifier les flux, et la massification des flux, c'est un levier de compétitivité logistique.
Et notre compétitivité logistique est elle-même un levier de compétitivité pour toute notre industrie, pour tous les industriels français, notamment sur cet axe logistique Est-Ouest, qui est celui de la Transalpine. Et je prendrai juste un exemple que j'ai vécu personnellement en tant qu'industriel. Je suis industriel en Savoie, mais avec aussi un atelier de production à La Rochelle. Et j'étais en concurrence avec un industriel allemand qui était situé à Hambourg, et nous étions en concurrence pour des marchés en Italie du Nord. Il y a à peu près la même distance entre La Rochelle et Milan et entre Hambourg et Milan. C'est à peu près la même distance kilométrique, mais le coût de transport d'un conteneur, 20 pieds, entre La Rochelle et Milan est le double du coût de transport d'un conteneur 20 pieds entre Hambourg et Milan. Donc vous comprenez que l'enjeu de compétitivité est énorme quand on est sur des écarts pareils. Et l'explication, c'est tout simplement que les flux sont déjà beaucoup plus importants en volume sur cet axe nord-sud, mais surtout qu'ils sont massifiés avec des trains extrêmement massifs, des convois de plus de 2000 tonnes qui traversent les Alpes dans cette direction nord-sud, ce qui est complètement impossible aujourd'hui dans la direction est-ouest. Alors quand on sait que pour un industriel, en moyenne, les coûts logistiques, c'est 15% des coûts de production totaux. 15% en moyenne, hein. Bien sûr, ça dépend des industries, mais c'est une moyenne de l'industrie. C'est autant que les coûts énergétiques. On parle énormément des coûts énergétiques, à juste titre, on parle beaucoup moins des coûts logistiques. Et pourtant, c'est le même ordre de grandeur pour notre compétitivité. Donc l'enjeu est vraiment essentiel, l'enjeu de ce chantier. Alors, ça ne fonctionnera tout ça que si on prête attention, me semble-t-il, à deux risques et deux pièges même dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est que les nouvelles taxes qui vont être mises en place pour contribuer au financement de cette transalpine ne doivent pas annuler pour les industriels les avantages apportés par l'infrastructure. Alors c'est facile à dire, c'est plus compliqué à réaliser, parce qu'évidemment, c'est un ouvrage qui coûte extrêmement cher. Et la tentation, c'est bien sûr d'annuler les avantages apportés par les contributions financières qui seront sollicitées. Mais si on fait ça, on n'aura pas fait avancer d'un centimètre la compétitivité de nos industriels. Donc ça, c'est le premier point d'alerte. Et le deuxième point d'alerte, c'est que le gabarit des accès à ce tunnel de base ne doit pas empêcher la massification des flux. Alors je laisserai Pierre Jamais vous expliquer ça en des termes plus précis, mais c'est un risque également dans lequel on est en train de tomber si on ne fait pas extrêmement attention aux différents scénarios techniques qui sont envisagés actuellement pour ces accès. Alors, merci à l'Europe pour son soutien financier qui est très considérable dans le financement de cette infrastructure et qui justement, j'espère, nous évitera de tomber dans le premier piège que j'évoquais. Ne ratons pas ce rendez-vous de nos industriels avec leur compétitivité, il est essentiel. Je rassure Brice Hortefeux, les Savoyards sauront se mettre d'accord dans les moments importants. Alors c'est vrai qu'on se chamaille assez facilement, mais dans les moments importants, en général, on arrive à trouver un accord. Donc je suis confiant également par rapport à ça. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas tout à fait à l'unisson, notamment sur les scénarios qui sont travaillés en matière d'accès, mais je pense qu'on trouvera un accord et qu'on n'en est pas très loin. Et puis enfin, évidemment, pour notre département de la Savoie, ce chantier, c'est un enjeu considérable en termes d'emploi. Ce sont déjà 600 emplois directs, encore beaucoup plus d'emplois indirects, et l'année prochaine, le double, plus de 1200 emplois directs l'année prochaine sur ce chantier. Vous comprenez bien que dans ces périodes de crise qu'on vient d'évoquer longuement, c'est un apport essentiel à la dynamique économique et de l'emploi dans notre département. Merci Bruno Gassine pour ces propos, voilà, du concret. Le rendez-vous est pris pour se mettre d'accord. Hein, d'accord. Pierre Jamais, vous en parliez. Pierre Jamais, vous êtes vice-président délégué de la Transalpine. Autrement dit, vous êtes carrément au cœur du projet encore plus. L'actualité, vous l'évoquez à l'instant, Bruno Gassine, c'est entre autres l'Union européenne qui augmente sa contribution au financement de cette liaison Lyon-Turin. Mais parlez-nous aussi de son avancée, de la question des accès ou encore de l'intérêt environnemental du projet. Et moi,
je vais commencer par une information. Oui, alors attendez, moi je vais vous approcher le micro, parce que, afin que tout le monde puisse bien vous entendre, allez-y, okay. Pierre Jamais. Oui, je vais simplement vous donner une information qui vient de tomber en direct. Au début de réunion, en direct, c'est que la commission transport du Mouvement des Verts vient de rendre un rapport, et de publier un rapport qui reprend totalement les arguments que défend la Transalpine depuis longtemps et qui se déclare favorable à Lyon-Turin. Ce qui est, je l'espérais, j'y croyais pas aussi rapidement, je suis plutôt content de vous l'apprendre, j'ai les corps, on m'a envoyé les références du dossier, donc je préfère le dire à tout le monde parce que c'est quand même une nouvelle plus importante. C'est une bonne introduction. Voilà. Bon, alors je voudrais vraiment tenir au sujet l'Europe et le Lyon-Turin pour dire déjà que lors du dernier conseil d'administration de lundi dernier de la Transalpine, nous avons proposé, ce sera validé à la prochaine Assemblée Générale, de parler de la Transalpine Lyon-Turin sud-européen. Pourquoi rajouter sud-européen ? Pour bien se resituer dans l'ambition et les objectifs de l'Europe des corridors européens ferroviaires. Et la Transalpine, on a sans doute payé un peu le Lyon-Turin, et en disant sud-européen, en ajoutant sud-européen, ça veut bien dire que c'est une liaison de la péninsule ibérique aux Balkans. Et je crois que c'est le vrai sujet aujourd'hui que l'on doit avoir. Deuxième sujet, deuxième élément, c'est que c'est une opération qui est née d'une volonté européenne. Je suis un vieux, je rappellerai que la première réunion, tu sais pourquoi Philippe, s'est tenue en 90 dans mon bureau à l'initiative d'un des conseillers spéciaux du président de la région de l'époque pour répondre, que la région réponde au lancement d'appel à projet de l'Europe sur le réseau à grande vitesse européen. Et c'est après, la Transalpine a été créée en 91 pour porter justement la réponse de l'Europe et pour défendre le Lyon-Turin. Donc ça fait un certain temps. Et effectivement, l'Europe a acté en 94 la liaison Lyon-Turin. Alors, je crois que c'est une liaison qui doit beaucoup à l'Europe. Elle doit beaucoup à l'Europe, pourquoi ? Parce que l'Europe, d'entrée de jeu, a bien situé que c'était une liaison qui rentrait dans cette perspective d'aménagement global du territoire européen par la création de corridors. Il y a 9 corridors ferroviaires européens, et là, nous avons des maillons d'un des 9 corridors. Première chose. Deuxième chose, l'Europe, d'entrée de jeu, a dit qu'elle finançait 40% du tunnel de base. Avec les différentes interventions, aujourd'hui, on passe à 50%. Passer à 50%, ça veut dire que l'Europe rajoute 860 millions, ça veut dire 490 millions de moins pour l'Italie, 370 millions de moins pour la France. Donc, on ne peut que saluer l'effort européen qui a été fait. Deuxième élément, pour rester toujours dans le sujet, c'est que l'Union européenne a dit qu'elle prenait en charge qui participait financièrement aux accès. Dans une lettre récente, la direction des mobilités européennes a précisé que les accès les entendaient de Lyon au tunnel de base. Donc c'est extrêmement intéressant et avec un financement vraisemblablement de 50%, ce qui est quand même tout à fait significatif. Troisièmement, pardonnez-moi, mais certains comprendront, la Cour des comptes européenne vient de dire en fin 2020 qu'il fallait que les deux États, Italie et France, devaient accélérer les travaux du Lyon-Turin parce qu'il y avait déjà 15 ans de retard, que les crédits étaient disponibles et donc qu'il fallait accélérer. Pour une fois où une Cour des comptes dit qu'il faut accélérer des dépenses, on peut quand même le saluer. Quatrième point, c'est vrai qu'aujourd'hui, le tunnel de base, c'est un coup parti. C'est quelque chose qui avance, il y a grosso modo de l'ensemble des travaux souterrains, 20% des travaux qui sont déjà faits, donc il y a un problème. Par contre, reste une vraie difficulté qui sont les accès au tunnel. Or, nous avons fait le forcing, je n'ai pas le résultat de savoir la saisine du gouvernement français pour le plan de relance européen. Nous avions obtenu la certitude que ce dossier ferait partie du plan de relance proposé par la France, comme l'a dit M. Hortefeux tout à l'heure. Je n'ai pas le contenu encore de la lettre qui a été envoyée à l'Europe, mais c'est vrai que quand on parle de plan de relance, on peut compter sur l'Europe, puisqu'on sait que le plan de relance, il doit porter d'abord
sur des travaux qui sont prêts à être engagés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de retard pour les activités économiques, pour l'industrie, etc. Or, sur les accès, nous avons deux dossiers qui sont prêts à être engagés. C'est la liaison Saint-Exupéry-Grenay, où il y a eu un accord, il n'y a plus aucune difficulté pour ce sujet-là. Et puis, c'est le CEFAL, le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, tronçon nord, où là aussi, toutes les difficultés ont été apaisées, j'allais dire. Reste quand même deux dossiers qui sont indispensables pour le Lyon-Turin. C'est la partie sud du CFAL, mais pour ma part, je pense qu'on est encore à un degré de conflit un peu trop élevé localement. Et puis, c'est la traversée de l'agglomération lyonnaise qui est un vrai sujet, le nœud ferroviaire lyonnais qui est un vrai sujet. C'est grosso modo de Fézin à Grenay, en passant par Vénissieux, Saint-Priest et Saint-Exupéry. Donc là, on peut espérer qu'on avancera. Dernier point, mais là, ça intéresse tout le monde, mais l'Europe, a priori, ne sera pas dans le coup, c'est le choix du lieu d'échange de l'intermodalité. Où là, il y a une bagarre très forte entre Grenay ou ce qu'avait fait inscrire le préfet de région Carinco à l'époque dans la directive territoriale qui touche Saint-Exupéry, c'est une zone au sud de Saint-Exupéry pour accueillir ce lieu d'échange. Je peux revenir après, mais j'ai voulu tenir. Ouais. Merci Pierre Jamais pour toutes ces infos et notamment, je note qu'en termes de communication, on pourrait donc appeler cette liaison Lyon-Turin sud-européenne. À suivre. Thierry Bonnet, bonjour. Vous êtes, vous, président de la Chambre de commerce italienne pour la France de Lyon. Avec vous, hein, c'est le regard italien sur cette transalpine. Professionnellement, vous êtes régulièrement amené à être entre Lyon et l'Italie. Quel regard portent justement les entreprises italiennes sur ce sujet? Alors, on va ouvrir votre micro. Voilà, super. Allez-y. Lorsque nous avons créé la Chambre de commerce, qui s'appelait à l'époque italienne, en 1988, nous étions un petit groupe de convaincus qu'il fallait réunir les partenaires économiques, les agents économiques, les opérateurs de la France et de l'Italie au sein d'une institution associative, mais également institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, 30 ans après, nous avons un double rôle, partenaire économique des entreprises italiennes pour la France et un rôle institutionnel également auprès des pouvoirs publics de promotion. Nous sommes la cheville ouvrière de la promotion de la politique commerciale extérieure de l'Italie à travers un réseau de 58 implantations dans 58 pays. Donc, nous avons dès le départ, en 1990, adhéré au comité de la Transalpine. Et nous comptons parmi nos 140 adhérents également le comité de la Transalpine. Donc c'est dire que dès le départ, bien évidemment, il y avait un intérêt majeur pour non pas ce qu'on aurait dû appeler finalement le Lyon-Turin, parce que vu de Paris et vu de même d'Italie, un ancien ministre, Matteo Salvini d'ailleurs, s'était étonné bruyamment en disant « Ma chi vuole andare a Lione ?»« Non tunnel, nessuno va a Lione ?» Alors, ce qui s'est passé en Italie, c'est que les milieux économiques se sont mobilisés, et je pense notamment à la Transpadane. La Transpadane, dont un représentant devait d'ailleurs venir aujourd'hui, ce qui me vaut d'être un peu la doublure de dernière minute, mais j'en suis absolument ravi. La Transpadane milite depuis le début, et c'est l'homologue du comité pour la Transalpine, pour une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire effectivement du sud de l'Europe jusqu'aux Balkans, incluant les régions concernées. Mais je vous dirais que l'histoire de l'Italie n'a rien à voir avec l'histoire de la construction française. Nous sommes dans un pays jacobin dont les frontières ne sont plus menacées depuis très longtemps. L'Italie est en revanche un pays neuf, un pays unifié depuis un peu plus de 150 ans seulement. Et effectivement, ce n'est pas seulement de Rome que l'on appréhende les grands enjeux et les grands projets économiques, mais c'est également de régions comme le Piémont ou la Lombardie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il y a eu, en février 2019, avant, nous avions organisé une conférence de presse commune à Milan avec Gérard Collomb et Giuliano Pisapia, le maire de Milan, pour relancer le soutien au Lyon-Turin.
Et c'était à la suite d'ailleurs de manifestations extrêmement importantes en faveur du Lyon-Turin qui se sont déroulées à plusieurs reprises à Turin. Ce sont des mouvements sans équivalent en France. On n'a pas battu le pavé à ce point-là pour soutenir le projet du Lyon-Turin. Donc, évidemment que c'est une attente partagée des deux côtés de la frontière et que nous sommes parmi les soutiens. Merci beaucoup, Thierry Bonnet. Merci beaucoup. Tiens, pour clore cette première partie, Brice Hortefeux, de manière très synthétique, s'il vous plaît, pour enchaîner sur la deuxième table ronde, votre regard, votre rebond sur ce qui vient d'être dit. D'abord, la bonne nouvelle que vous avez annoncée concernant la position des Verts, parce que j'appartiens à la commission de transport qui est présidée par une Verte, qui s'investit d'ailleurs dans les Hauts-de-France dans les prochaines semaines. Et je dois vous dire que les positions ne sont pas toujours très rationnelles. Je vous dis, les positions de principe, c'est hostile aux aéroports, je ne sais pas si on... Enfin, l'aérien, mais en même temps hostile au TGV, qui est quand même la meilleure alternative à l'aérien. Mais ça, c'est très difficile à faire partager comme conviction. Simplement, deux points. Bon, il était évident qu'il fallait prolonger, ça aurait été incohérent qu'il condamne, et ça aurait été dangereux qu'il condamne le projet. Et moi, ce qui me frappe, c'est le volume, c'est 46 millions de tonnes échangées entre la France et l'Italie, et pour le Lyon-Turin, c'est, je crois de mémoire, je vous l'avais peut-être dit, 1 million de poids lourds qui basculeraient vers le rail. Donc, c'est donc, il y a une cohérence... cohérence totale pour que cela se fasse. L'Europe, vous avez dit à juste titre que l'Europe a passé de 40 à 50%, et c'est une décision qui est récente, au mois d'avril, et ça signifie, là peut-être qu'il faut quand même qu'on ait le chiffre en mémoire, ça signifie en réalité 2,5 milliards de plus qui sont injectés. Donc, pour toutes ces raisons... naturellement, il ne fallait pas mollir, il fallait persévérer, et que c'est une alternative. C'est, je crois que c'est 240 km au total, c'est 240 km qui sont absolument indispensables. Merci Brice Hortefeux. Je m'adresse à celles et ceux qui nous suivent en direct ce webinaire. Vous n'hésitez pas à donner de l'écho donc, à cette table ronde également sur les différents réseaux sociaux. Et je sais que les CCI de la région sont très présentes en termes d'infos et de contenu avec le hashtag Semaine UE 2021. On parle de mobilité. L'enjeu de la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, ce n'est pas que la transalpine, même si c'est un sujet essentiel. Il y a aussi de nombreuses autres préoccupations en matière de mobilité, d'infrastructures, de transport. Là, je me tourne vers un des acteurs majeurs de la région en ce qui concerne le transport de marchandises, de l'emballage et de la logistique. C'est Céline Combronde. Bonjour. Vous êtes notamment coprésidente de TLF Sud-Est et directrice générale du groupe Combronde. Le transport, c'est votre quotidien, c'est cela. Tiens, Céline, quels sont les deux ou trois messages essentiels que vous avez envie de faire passer à un parlementaire européen quand on est invité à ce type de table ronde où il est question de l'Europe et de mobilité? Oui, alors, merci. Je voulais simplement commencer par rappeler ce qu'est l'Union TLF que je représente aujourd'hui, qui est une organisation professionnelle représentative de l'ensemble des métiers de la chaîne de la logistique et du transport, qu'ils soient routiers, ferroviaires, fluviales, maritimes ou aériens. Les dernières études nous ont montré que 89% des marchandises transportées en France le sont par la route, 9% en ferroviaire et 2% en fluvial. Ces chiffres de répartition doivent évoluer et les stratégies doivent changer, car les modes de transport sont complémentaires. Vous l'avez dit, monsieur le député, la France et l'Europe sont très impliquées dans la transition énergétique et la préservation de l'environnement, avec des objectifs de neutralité carbone en Europe d'ici 2050 et en France d'ici 2040. Les entreprises de transport doivent pouvoir proposer des solutions de transport nationaux et internationaux verts. Mais au-delà du sujet de la transalpine, nous avons des remarques et des interrogations à vous poser, monsieur le député. Et je commencerai tout d'abord sur les sujets d'importance. Donc l'Europe aujourd'hui se préoccupe énormément des grands axes. Cependant, un maillage territorial structuré à l'intérieur de l'Hexagone est pour nous indispensable.
Et en ce sens, les crédits européens ne devraient-ils pas soutenir puissamment des projets plus locaux permettant de répondre aux objectifs de verdissement du transport de marchandises? Car il existe une chaîne logistique globale qu'il faut prendre en compte et impliquer encore plus l'ensemble des acteurs, et notamment les chargeurs, dans une politique de transport plus écologique, car les transporteurs ne sont en réalité qu'intermédiaires entre un producteur et un consommateur. Je voulais faire un petit point aussi sur le sujet des aides, et vous en avez parlé, notamment sur les crédits FEDER, qui sont trop favorables aux acteurs publics, alors que de nombreuses entreprises privées interviennent dans le financement d'infrastructures ou l'achat de matériel visant au développement de l'intermodalité. L'Union européenne doit apporter des aides financières à toutes les tailles d'entreprises. Et vous faisiez référence tout à l'heure au plan Horizon Europe, qui, lui, va être spécifiquement sur toute la partie recherche et développement, donc qui est encore très écartée de ce que les entreprises peuvent, ou en tout cas entreprises de transport, peuvent attendre. Juste pour rappeler aussi la complexité des dossiers FEDER, et là, donc, je l'évoque auprès de Bruxelles et aussi de l'opérateur local qu'est la région, puisque les entreprises ont besoin de simplicité, de clarté et de réactivité sur la composition de ces dossiers. Sur un autre sujet qui est donc l'implantation des plateformes multimodales, aujourd'hui, l'Union européenne, l'État français et les régions devraient se préoccuper de la stratégie du positionnement géographique des plateformes de fret routier qui ne prennent pas suffisamment en compte l'aspect multimodal, mais plutôt la desserte autoroutière. C'est un esprit multimodal qui devrait être obligatoire pour donner les autorisations de création de ces plateformes. Les plateformes de logistique ferroviaire doivent être installées dans des sites n'apportant pas de gêne à la vie urbaine, tout en étant proches pour limiter le nombre de transbordements d'un mode vers un autre. Je souhaitais faire un petit point aussi sur l'écotaxe et en même temps rappeler que aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas différencier les trajets courts des trajets longs sur ce sujet, et comment cette taxe sera-t-elle admise dans le renchérissement des coûts de transport par les chargeurs? Et je terminerai bien sûr par du transport routier. Avec l'arrivée des camions à hydrogène, tous les grands constructeurs travaillent sur l'usage de l'hydrogène. Comment, avec l'Europe, des objectifs comme ceux présentés par Michelin pour 2023 pourront être pris en compte? Coût des camions, infrastructures spécifiques à installer, maillage territorial. On estime le coût d'un camion en 2023 à 400 000 euros. Ce sera un vrai sujet. Et voilà, j'en ai terminé. Ouais. Merci, Céline Combron. Moi, je suis venu avec ma question. Vous êtes venu avec vos réponses et les questions à Brice Hortefeux, évidemment. Alors, de nombreux sujets que vous avez évoqués. Brice Hortefeux, il y a un point sur lequel vous voulez rebondir et puis vous prendrez attache ensuite, évidemment, puisqu'on va poursuivre. Un point sur lequel vous voulez rebondir. Il n'y a pas qu'un point dans tout, oui. Tout ce qui vient d'être dit. Je sais. C'est complet, c'est large. Je sais. D'abord, premier élément, il y a extrêmement violent et qui doit nous amener à effectivement des changements majeurs, c'est la dégringolade du fret ferroviaire. Puisque le fret ferroviaire, vous avez donné le chiffre, c'est 9%. En 1950, c'était 50%. Donc, il y a là-dessus une dégringolade complète. Deuxième élément, sur la complexité des dossiers menés avec l'Europe. Il y a que vous parliez à un maire, à un chef d'entreprise, c'est quelque chose qui est naturellement récurrent. Malheureusement, il y a une explication. L'explication, c'est la fraude. C'est toujours la même chose. Il y en a un qui fraude, résultat, tous les autres payent. Et on se bat avec Laurent Wauquiez pour les dossiers régionaux, pour que les demandes soient les plus simples possibles. Et d'ailleurs, le groupe Combron en a bénéficié. Vous avez oublié de rappeler cet aspect-là, mais enfin,
c'est parce que vous étiez pressé, mais c'est un élément majeur pourtant certainement de votre intervention, mais on souhaite vraiment que les dossiers soient les plus simples possibles et on s'aperçoit qu'à l'échelon européen, et, je pense notamment à des collectivités qui ne sont pas équipées en termes de collaborateurs pour monter les dossiers et qui renoncent purement et simplement. Alors concernant, donc là c'est le sujet majeur, mais qui est lié quasi exclusivement, je vous le garantis, à la fraude. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre de pays qui se sont spécialisés dans ce sport et que donc, ça rejaillit sur les 25 autres. Comme ça, vous voyez à peu près le nombre de pays auxquels je pense. Ça donne une idée. Mais, donc ça, c'est le premier. Deuxième élément, la région, comme vous le savez aussi, a mis un peu l'accent sur ce point, puisqu'elle a mis en place, c'est en 2017, je me souviens, 2017, c'est en 2017, elle a mis en place un plan dont, précisément, vous avez raison de le souligner, qui en a bénéficié. Ben, vous avez les opérateurs, donc c'est-à-dire, bien sûr, ben, vous avez la SNCF Réseau, vous avez Voies Navigables de France, la compagnie du Rhône, et ainsi de suite. Enfin, il n'y a pas que les opérateurs, il y a aussi les opérateurs de transport, le groupe Combron, par exemple, en a bénéficié. Et puis, vous avez aussi, troisième volet, les chargeurs. Je pense à Danone, enfin, aux Odevian, je pense à Volvic, dans la partie auvergnate. Donc, il y a une politique, on a bien conscience, à l'échelon régional, des difficultés. Sur l'hydrogène, j'y reviendrai peut-être, parce que je crois qu'il y a d'autres interventions. Merci pour ces premiers éléments de réponse. Merci. Le premier élément, c'est il y a une dégringolade qui est spectaculaire, donc il faut mettre en œuvre pour l'inverser. Mmh. Deux, les aides européennes, elles existent, mais elles sont complexes. Trois, il y a une action régionale qui a été décidée en 2017 qui est en direction des trois. C'est ce que je viens d'indiquer, notamment les opérateurs. Bon, nous étions à Thiers avec Céline Combron. On reste dans le Puy-de-Dôme avec vous, Claude Barbin, président de la CCI du Puy-de-Dôme Clermont-Auvergne Métropole. Je reprends avec vous, Claude Barbin, sur ce qui se passe dans la région et donc en Auvergne. Plus précisément, quels sont les enjeux d'attractivité, d'accessibilité ou encore de connexion avec l'aire clermontoise, encore une fois, sur cette table ronde, on veut du concret. Alors, vous avez raison de rappeler que l'attractivité et la mobilité sont complètement liées. Quand nous avons eu le bonheur de rejoindre la région Rhône-Alpes, nous avons fait obligatoirement un constat, c'est que le pôle métropolitain auvergnat de 700 000 personnes qui va de Vichy jusqu'à Brioude, voire Saint-Flour, et qui couvre les quatre départements, n'avait pas un accès suffisamment vertueux à la fois vers sa capitale régionale qu'est Lyon et vis-à-vis de Paris. Alors nous avions une difficulté qui soit aérienne ou ferroviaire. La partie autoroutière a été réglée par les anciens présidents de la République. Il reste cette logique aérienne et ferroviaire. Et là, on avait plusieurs façons d'aborder les choses, puisque vous voulez des éléments concrets. Le premier, c'était de se dire, est-ce que nous devons nous battre, et le sujet est d'actualité, pour avoir un TGV ? Alors, il y a eu des combats, mais à un moment donné, les choix financiers de notre pays ont fait que si on continuait dans cette directive, dans cette logique, eh bien, on allait perdre 40 ans et nous n'arriverons pas à relier Paris en moins de 2 heures, ou alors il fallait attendre 40 ans. Donc, on a opté sur ce territoire d'abord de se fédérer pour travailler sur les deux dossiers. Et en Auvergne, comme ça se passera bientôt sur la partie savoyarde, quand en Auvergne, il y a un projet, tous les Auvergnats sont derrière. Et j'ai compris que pour la Transalpine, c'était le cas. Et donc, on a souhaité fédérer en synergie avec les organisations patronales, avec MEDEF, CPME, avec le tissu économique. Je rappelle que sur notre territoire, nous avons des grandes entreprises et des grandes coopératives, Michelin, Limagrain, un grand centre pharmaceutique. On a fait un pool économique et à partir de ce pool économique, nous avons travaillé avec les compétences qui sont dans ces grandes entreprises. Ça s'appelle faire du lobbying, travailler le cabinet ministériel. Et nous avons fait en sorte d'agréger autour de nous toute la dynamique institutionnelle et politique.
Et bien entendu, la région, avec Brice Hortefeux et avec Laurent Wauquiez, sont venus consolider, solidifier cette dynamique. Et le résultat, puisque c'est là-dessus que vous m'amenez, en 2 ans et demi, nous avons réussi à faire en sorte que le 3h30, 3h40 pour Paris, ce qui vous paraît inacceptable, vous, Lyonnais, qui faisiez un aller-retour dans la journée, nous avons réussi à faire en sorte de sanctuariser des financements pour permettre de revenir à 3h, réussir à faire en sorte que des rames soient changées pour 2023 et d'obtenir et de revenir à 3h. Aujourd'hui, alors bien entendu, il a fallu aussi se battre pour le Wi-Fi. Ça, c'est pour la partie ferroviaire, bien entendu. Aujourd'hui, nous pensons que 2023 nous permettra de rejoindre Paris en 3h, ce qui n'est pas encore notre objectif. Cette première étape, elle est franchie. Nous devons aller vers une deuxième étape pour faire en sorte, on ne veut pas concurrencer Lyon, mais si on réussit à faire un Clermont-Paris qui va aussi enrichir la dynamique de l'Allier avec Vichy, faire ça en 2h30, nous aurons réussi notre challenge. Et pour parler également de l'aérien, avec Objectif Capital, qui est le nom de cette association que nous avons créée, Objectif Capital avec un S, à la fois vers les capitales régionales, et Lyon pour nous est le centre du monde. Hein. Ensuite, nous avons Paris et puis le reste de l'Europe et le monde. Pour l'aérien, nous avons une difficulté avec le Clermont-Roissy, qui est justement cette porte vers le monde, avec Air France. Donc, nous avons travaillé avec les opérateurs SNCF et Air France en partenariat. Personne ne s'est couché sur les voies pour faire du buzz. On a simplement travaillé. Et nous avons été, au moment du Covid, en difficulté avec une ligne qui est le Clermont-Orly. Et nous avons eu un véritable soutien, et je le souligne, avec le ministre Hortefeux et avec le président Wauquiez, pour trouver une compagnie qui prenait la place d'Air France sur le Clermont-Orly qui nous est nécessaire pour faire un aller-retour dans la journée. Voilà des retours concrets. Et je reviens sur cette logique, c'est de travailler ensemble. Quand tout un territoire travaille ensemble, on réussit. Et ce que nous avons réussi, qui n'est pas terminé, je le souhaite également à mes amis savoyards qui doivent aussi continuer à travailler ensemble. Voilà. Je pense avoir tenu mon timing avec mais énergie. Oui, parfait. Avec énergie et toute la dynamique de Claude Barbin qui, en plus, m'a fait rêver quand vous citez Brioude. C'était ma première colonie de vacances depuis Lyon. Imaginez. Ça date, ça. Brioude. Beau port de pêche, Brioude. Effectivement. Allez, on poursuit notre tour d'actualité de la mobilité. Au-delà de la question de l'accessibilité de l'Auvergne évoquée à l'instant par vous, Claude Barbin. Donc, avec vous, Cyril Amprineau, secrétaire général de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Nous allons prolonger la discussion. On prolonge les échanges autour justement de cet échange ouest-est dans la région et notamment le Lyon-Saint-Etienne. On parlait de la Lyon-Turin, Lyon-Saint-Etienne, là aussi c'est un beau sujet de discussion. Ouais, micro ouvert, super. Merci beaucoup. Merci. Connexion établie. Voilà, c'est un beau sujet de discussion. Alors là aussi, Lyon-Saint-Etienne, on a joué en équipe. Habituellement, quand on parle de Lyon-Saint-Etienne, c'est rare, plutôt oui. Une rivalité, ouais. Mais là on a joué en équipe. Alors peut-être parce qu'on a joué en équipe monde économique et on a plutôt l'habitude, en tout cas dans notre région, de jouer dans la même équipe que jouer divisé, même si on n'est pas arrivé pour le coup malheureusement complètement à l'objectif. Peut-être 2 mots pour resituer l'enjeu de la mobilité sur cet axe. C'est une aire métropolitaine majeure, l'aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne. Aujourd'hui, c'est 3,6 millions d'habitants. Donc, dans une grande région comme Auvergne-Rhône-Alpes, ça compte particulièrement. C'est 4 millions en projection en 2040. C'est 1,5 million d'actifs, dont 70% se déplacent pour aller travailler en dehors de leur résidence. C'est également 2 milliards d'euros d'investissement industriel. Donc, les enjeux économiques des déplacements, des mobilités sont considérables, notamment, vous l'avez dit dans votre préambule, pour bien faire fonctionner les flux économiques et les flux de personnes entre l'Est et l'Ouest de notre grande région. Alors, quelques données pour la mobilité qui permettent de situer le niveau d'enjeux et derrière d'infrastructures. C'est toute la question d'avoir les infrastructures adaptées dont ont besoin les territoires et notamment ce corridor-là entre Lyon et Saint-Etienne. Ça permet de voir à quel point aujourd'hui, malheureusement, on a un système d'infrastructures qui n'est pas à la hauteur de la situation des mobilités. C'est 84 000 véhicules par jour au nœud Givors, dont 12% de poids lourds. C'est 19 000, alors,
c'est un terme, pardonnez-moi, c'est un truisme peu élégant, navetteur, c'est-à-dire des gens qui font la navette entre Lyon et Saint-Étienne, donc 14 000 de Saint-Étienne vers Lyon tous les jours. C'est 7 millions de déplacements dans l'aire métropolitaine, donc 5 millions via les automobiles, donc via les voitures. C'est et c'est un réseau routier, c'est difficile d'appeler ça une autoroute, mais enfin elle est qualifiée comme ça, une A45 qui est complètement saturée, qui est accidentogène, qui génère énormément de bouchons. Ça a été évalué à 500 millions d'euros le coût économique pour les entreprises des bouchons. Claude parlait des trajets et notamment du temps qu'il faut passer pour se rendre d'un point A à un point B. Le problème, quand on va à Lyon, à Saint-Étienne, selon le moment où on part, on peut mettre 45 minutes comme 3 heures. Et donc ça, c'est quand même très, très compliqué pour le monde économique. Alors, dans ce contexte, malheureusement, il y a un projet, on parlait de la durée du projet de la Transalpine. L'A45, c'est un projet qui a duré depuis plus de 30 ans. Et malheureusement, en 2018, la loi d'orientation sur les mobilités a appartenu ce projet, malgré tout le lobbying du monde économique, et notamment de cette maison, les CCI, qui a fait un formidable travail avec tous les arguments, me semble-t-il, et le soutien de la population, y compris les collectivités locales. La région a été un puissant soutien de ce projet. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc aujourd'hui, le monde économique est associé également à des travaux alternatifs. Et il est important d'insister sur le fait que les réponses ne peuvent être que multimodales. Il faut évidemment aménager cette A47 qui aujourd'hui est complètement dépassée par rapport aux besoins, notamment sur trois volets, sans être trop long. Il y a il y a trois nœuds gordiens sur cet axe-là, dans ce corridor, autour de Givors, Terneuil, pour la sortie sur l'agglomération de Lyon. Donc, il y a actuellement des études pour savoir s'il faut construire un deuxième pont à Givors ou s'il faut améliorer la capacité. Et ça se fait en bonne concertation entre l'État, il y a une cellule à la préfecture de région, et le monde économique. Le deuxième sujet, très rapidement, là aussi, c'est un vrai enjeu pour notre grande région en matière de développement économique et d'attractivité, c'est notre aéroport, qui doit être encore plus un formidable outil de développement économique, d'aménagement et d'attractivité de notre grande région, puisque toutes les grandes régions européennes font jouer ce rôle-là à notre aéroport et on y travaille activement, en tout cas les représentants du monde économique. Aujourd'hui, c'est 11 millions de passagers. L'objectif, c'est de doubler d'ici 30 ans. On a un atout par rapport à un aéroport voisin néanmoins concurrent qui est celui de Genève, c'est qu'on a de la réserve foncière. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, malgré tous ces atouts? C'est notamment une double connexion qui est insuffisante. La connexion multimodale, il y a une gare, peu de gens l'apprennent, même si tout le monde sait qu'il y a une gare à Saint-Ex, on n'en prend pas beaucoup. En tout cas, il y a un manque de connexion au sein de cet aéroport sur la gare pour, desservir l'aire métropolitaine, j'en parlais, mais les grandes capitales régionales. Voilà. Cette connexion est importante. Et deuxièmement, quand on veut faire du développement économique, on met en avant, notamment à l'échelle mondiale, des espaces d'exposition. On a un très bel outil qui s'appelle Eurexpo, 180 000 m2. Et on souhaite également qu'il y ait une meilleure connexion entre l'aéroport, Eurexpo et également le centre-ville de Lyon. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup du trafic ferroviaire est encore trop concentré à Lyon et il n'y a pas suffisamment de connexion entre ces différents outils de développement économique. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, on a un timing à respecter parce que les uns et les autres, vous avez des emplois du temps hyper bookés, c'est normal. Et des rendez-vous à 12h30, ce sera terminé avec la conclusion de Philippe Guérand et les réponses de Brice Hortefeux. Dernier point que l'on va évoquer avec vous, Cécile Afzar. Bonjour. C'est le mode fluvial, c'est un mode que vous connaissez parfaitement puisque vous êtes présidente de Medling Port et directrice territoriale Rhône-Saône de VNF. Alors justement, votre vision sur ce transport fluvial et quelles sont vos attentes en termes de développement de ce mode de transport? Et là, merci de respecter le timing pour que tout le monde puisse conclure. Merci beaucoup. Je vous mets un petit peu la pression, mais vous avez l'habitude. Je vous remercie. J'ai conscience que je suis le dernier rempart avant la pause déjeuner, donc je vais aller vite. Les membres aujourd'hui, les acteurs aujourd'hui du transport fluvial sont regroupés en fait dans une association qui s'appelle effectivement Medling Ports, qui promeut d'une manière générale sur l'ensemble de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône le développement du transport fluvial et ferroviaire, c'est-à-dire des transports massifiés. Alors, qui est présent dans cette association? L'ensemble des 10 ports qui sont sur la vallée Rhône-Saône, les 10 ports fluviaux, le 3 ports méditerranéens, Marseille, Sète et Toulon, et puis les opérateurs de réseau, SNCF Réseau pour le ferroviaire, et CNR et VNF pour le fluvial.
Donc l'ensemble de ces acteurs sont également très proches de leurs clients qui sont aussi membres partenaires de l'association. Et les clients, ce sont les chargeurs, les usagers, les transporteurs, l'ensemble des gens qui utilisent ces réseaux. Alors, qu'est-ce que nous promouvons? Évidemment, c'est évident à peu près, hein, nos objectifs, c'est de développer le report modal des flux routiers, donc sur le fer ou sur le fleuve, sur la longue distance. L'idée, ce n'est pas d'opposer les modes de transport, mais c'est de considérer que pour certains types de flux ou pour certaines distances, il faut optimiser globalement nos infrastructures et donc reporter davantage sur le fluvial et sur le ferroviaire. Et nous n'avons pas aujourd'hui la part de marché qui, logiquement, pourrait nous revenir. Alors, nous travaillons sur 4 axes. Le premier, c'est le coût et la qualité de la manutention. Il faut évidemment qu'on soit performant de ce point de vue-là. Le deuxième, c'est le fait d'aller chercher de nouveaux flux. Donc, et là, en particulier en direction des chargeurs, je rejoins ce que disait tout à l'heure Mme Combonde. Il faut inciter les chargeurs à modifier leur culture logistique. Très souvent, ils ne connaissent pas, ils ne s'intéressent pas au fluvial, alors que c'est parfois et même assez souvent moins cher que le routier. Donc, il ne faut pas uniquement penser au coût. Maintenant, il faut certainement qu'on améliore nos services. On y travaille aussi. Troisième volet, il faut favoriser les investissements sur justement ces nouveaux modes de transport, sur le fluvial en particulier. Je rejoins aussi ce que disait Mme Combronde. Trop souvent dans le secteur public, on pense investir, transport, on pense infrastructure. Aujourd'hui, l'infrastructure sur le Rhône et la Saône, elle est capacitaire, elle est de bonne qualité. Ce n'est pas ça le maillon faible. Le maillon faible, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'opérateurs de transport fluvial. Il n'y a pas assez de concurrence dans ce secteur. Il y a un équilibre qui est bas. Il y a assez peu d'opérateurs qui, certes, vivent, mais uniquement sur des marchés relativement captifs. Si on veut développer le fluvial, il faut favoriser l'investissement dans ce mode de transport, soit avec des entreprises de transport qui investissent, qui se diversifient sur ce mode-là, entreprises Combronde vient de le faire, il y en a d'autres, soit sur des chargeurs qui effectivement investissent eux aussi dans leur mode de transport, dans la flotte, Kémoine vient de le faire, Kémoine va faire construire 2 unités de transport pour ses produits donc d'import donc à l'international, mais aussi d'export. Et puis, les céréaliers sont en train d'y réfléchir, etc. Les chargeurs historiques du fluvial doivent aussi réfléchir à ça. Il faut les inciter et leur faciliter la tâche. Et puis, dernier axe sur lequel on travaille, c'est tout le développement du système de verdissement, évidemment, de ce mode-là, puisqu'il faut avoir des nouveaux modes de motorisation. On travaille sur l'hydrogène, on travaille sur l'électrique, on travaille sur le GTL, on travaille sur tout un tas de modes avec l'ensemble de la filière et notamment en coopération avec les clusters maritimes sur ce sujet-là et développer aussi le digital. Voilà, donc comme vous le voyez, on a beaucoup d'actions pour essayer de fédérer les acteurs. Je rebondis aussi sur ce qui a été dit. On travaille ensemble, on travaille en équipe. L'idée, c'est de ne pas opposer les modes, mais ces modes sont complémentaires. Et vraiment, si on voit sur le long terme, à l'évidence, si on veut justement maintenir le développement économique, si on ne veut pas freiner les croissances, eh bien, il faut aussi changer assez massivement nos modes de transport. C'est fluide, comme sur l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci pour le timing respecté. Brice Hortefeux, je vous ai vu là aussi très à l'écoute. Un mot sur ce qu'il vient d'être dit sur ces sujets d'actualité en termes de mobilité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avant une question d'ailleurs. Bon, il y a beaucoup oui. De sujets. Bon, je reviens sur ce que vient de dire Claude Barbin. Nous sommes généralement 100% d'accord. Et il y a en fait, je dois vous le dire, un différent avec Claude qui repose sur la méthode et peut-être que ça peut interroger chacun de vous. C'est-à-dire que dans cette histoire, invraisemblable d'ailleurs de TGV, il y avait 2 attitudes possibles pour la liaison Clermont-Paris. Première attitude possible, c'est celle qu'a retenue et qu'a défendue le président Barbin avec d'autres, c'était de dire, bon, de toute manière, la liaison grande vitesse est cuite, on ne l'aura jamais, donc commençons par essayer de grignoter quelques petites choses. Bon. Et c'est vrai qu'il y avait un motif, parce que je vous dis ça, vous n'utilisez pas ni l'aéroport ni la gare de Clermont, et honnêtement, je ne peux pas me brouiller avec vous pour cela. Mais il faut quand même savoir que nous avons réussi l'exploit, et je le dis quand même là plus sérieusement, d'avoir une liaison entre ce qui était une capitale régionale et la capitale de notre pays, dont le temps de trajet non seulement n'était pas stable, non seulement ne diminuait pas, mais il augmentait. C'est-à-dire qu'entre 2014 et aujourd'hui, le temps de trajet du train le plus rapide est passé de 2h59 à 3h06. Et les 3h06, c'est d'ailleurs un lointain souvenir, parce qu'avec la crise sanitaire, on l'a purement et simplement supprimé. Enfin, donc dans nos rêves les plus fous,
quand même, on se souvient d'un train qui était à moins de 3 heures et qui est passé à plus de 3 heures. Deuxième élément, ce qu'a pas dit Claude, mais parce qu'il ne voulait pas assombrir cette matinée, c'est qu'un train sur deux qui part de Clermont pour aller à Paris arrive en retard. Un sur deux. Quand même, là aussi, le témoignage vraiment de fait que tout va bien. Et donc, la première méthode, c'était celle-là. Puis il y a une deuxième méthode, c'était celle, moi, que je préférais. Et c'était de continuer à trépigner pour avoir du TGV en disant ils ne nous le donneront pas, mais au moins ils s'en sentiront obligés de nous dire, de nous donner quelque chose. Donc Claude, l'histoire tranchera. On verra quelle était la bonne méthode, parce que, en tout cas, c'est celle préconisée par Claude qui a gagné, c'est-à-dire que l'on fait comme ça. Quant à l'aéroport, vous savez, que là je le dis, je ne plaisante pas d'ailleurs avec le sujet Clermont-Paris, mais les aéroports, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en Europe 190 aéroports qui sont en situation de faillite. 190. Et donc, le réveil va être très douloureux. Et parce qu'il y a naturellement, j'ai présidé moi l'aéroport de Clermont pendant plusieurs années, avant que la loi là, m'en empêche, mais il faut comprendre que, un, le trafic passager ne va pas se rétablir spontanément, et que ce n'est pas simplement un jeu d'équilibre, puisqu'il y a en réalité une campagne dans l'opinion publique contre les aéroports. La phrase hallucinante disant qu'il fallait que les enfants ne rêvent plus au ciel et à l'aérien, par une élue importante, d'une ville importante, vous laisse totalement pantois. Quand même. C'est bon. Et donc, effectivement, l'aéroport de... Donc, nous avons, nous, la double peine, c'est-à-dire qu'on n'a pas le TGV, et en fait, on a un aéroport qui n'a plus qu'une liaison sur Charles de Gaulle, et nous avons fonctionné, mais on n'est pas les seuls, honnêtement, Claude, en France, avec... pendant quelques jours, une liaison par jour, une seule liaison par jour. Ils ont trouvé le moyen de mettre à 22 heures. Vous voyez, c'est comme c'est commode, enfin. Non, mais bon, donc, c'est pour ça que sur cet aspect-là, on est très heureux, nous les Auvergnats, d'être attachés à la puissante capitale de Rhône-Alpes et la puissante région Rhône-Alpes, parce que là, c'était quand même un petit peu exagéré. Bon, enfin, en tout cas, l'aéroport, on va obtenir le retour de la ligne sur Orly par la compagnie Amelia. Ils ont pris l'engagement. Et ensuite, sur la liaison ferroviaire, c'est vrai que Claude a annoncé qu'il allait y avoir un petit effort. Et, le train à 3 heures, ça ne bougera pas en réalité. En revanche, la plupart des trains qui mettent 3h30, on peut raisonnablement remonter à 3h15. Mais moi, quand j'étais enfant, et je prenais le métro en région parisienne. Et la station de ski, pardon de le dire, la plus proche de Paris, c'était le Mont d'Or. Il y avait des panneaux dans le métro, venez à la station la plus proche de Paris. Bon, évidemment, aujourd'hui, la notion de distance n'existe pas. Et nous sommes devenus la station la plus loin de Paris, je pense vraisemblablement, pour ceux qui veulent aller, au Mont d'Or. Donc là, il y a un vrai défi. Et sur la 45, situation est absolument ubuesque. Bon, là, sur ce plan-là, la région fait ce qu'elle peut. Elle a décidé, bon, naturellement, vous connaissez sa position, mais elle a décidé, dans le cadre du plan de relance, d'injecter 100 millions pour essayer d'améliorer autour, quoi, pour schématiser. Mais, enfin, je partage totalement votre avis. Merci, Brice Hortefeux. Merci. Avant de donner la parole à Philippe Guérand pour la conclusion, il y a pas mal de questions sur le chat, on n'en a sélectionné qu'une puisqu'on a encore une fois un timing à respecter. On va clore à midi et demi très précise. Il y a une question, je la lance à l'Assemblée, on verra qui prendra la réponse, peut-être Pierre Jamais, je ne sais pas. Quels avantages au pluriel peut retirer le port de Marseille avec la Transalpine? N'est-ce pas un avantage pour les ports italiens? Qui veut bien la réponse? Cécile? Pardon. Oui, j'interviens juste. Effectivement, c'est un véritable enjeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a deux grands corridors qui sont parallèles. L'un, donc, qui est le nord-sud, qui part de Marseille et qui va vers la Banane Bleue, qui dessert Amsterdam, Rotterdam, puis l'Angleterre. Et l'autre, qui est à peu près parallèle, qui part de Gênes, qui effectivement traverse les Alpes, traverse l'Allemagne, légèrement plus au nord, et ensuite rejoint également Amsterdam et Rotterdam. Enfin, Rotterdam et Anvers. Et donc là, il y a une vraie question, c'est de se dire finalement, le Lyon-Turin, c'est le début d'une connexion
fluide, massifié entre ces deux axes. Tant mieux. Il y a également le long de, il y a un troisième grand corridor qui part d'Algésiras, qui remonte jusqu'à Lyon, qui du coup va jusqu'au Piémont alpin et puis ensuite part vers la Hongrie. Et donc il y a cette interconnexion qui va être de plus en plus forte. Et tant mieux, tant mieux. Et donc, il y a effectivement un vrai enjeu de se dire, demain, les marchandises, de façon un peu massive, qui vont rentrer et qui vont arriver en Rhône-Alpes, est-ce qu'elles vont continuer d'arriver par Marseille ou bien est-ce qu'elles vont plutôt massivement arriver à Gênes et puis ensuite retraverser ? Donc, il y a évidemment une concurrence entre les axes qui existent. Mais c'est bien, c'est ça la concurrence aussi. Faut pas forcément s'en méfier. Ce qui est important, c'est que côté Rhône-Saône, en tout cas et nous, côté Medlink, sur quoi on travaille ? On travaille sur le fait d'avoir justement une offre logistique de qualité au meilleur coût sur l'ensemble de l'axe. Et en revanche, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un véritable atout que d'avoir demain plusieurs grands corridors à laquelle elle sera rattachée. Pierre Jamais m'a dit en une minute. Une minute, c'est que dans ce dossier-là, dans cette question que vous avez posée, il ne faut jamais oublier Barcelone, parce qu'avec le fluvio-maritime, il y a eu déjà des essais du port de Barcelone pour venir chercher les marchandises à Lyon. Bon, la crise a fait que ça a beaucoup de retard, mais est-ce que c'est Barcelone ou Gênes qui est le plus grand concurrent de Marseille ? Je crois plutôt que c'est Barcelone. On fera une prochaine table ronde, tiens, sur le sujet. Philippe Guérand, pour clore l'événement, on voulait du concret, des attentes, des propositions, des précisions, on a été servi. Oui, moi je suis vraiment... je voudrais vraiment saluer la richesse des échanges qui se sont déroulés et tout ce qu'ont exprimé les représentants des entreprises, mais aussi ceux des acteurs publics, montre bien, s'il en était encore besoin, combien la mobilité est essentielle pour notre développement, pour notre prospérité. Il ne faut jamais oublier notre prospérité et notre qualité de vie. L'Europe, on l'a vu, c'est un partenaire apprécié, malgré les réserves que Brice Hortefeux a exprimées tout à l'heure, et que c'est tout à fait réel, c'est quand même un partenaire apprécié, mais c'est aussi un partenaire attendu. Et c'est naturellement spécialement vrai aujourd'hui, au moment du redémarrage de l'économie mondiale et des changements qui se profilent dans l'organisation des flux à l'échelle de la planète. Et puis chacun l'aura compris, la connexion entre nos grandes plateformes logistiques, nos grands ports, les zones de consommation, les lieux de travail et les lieux d'habitation est un enjeu à la fois d'efficacité économique, de transition écologique et aussi de bien-être social. Et ce débat que nous avons commencé aujourd'hui, eh bien, nous souhaitons qu'il se poursuive au niveau national et européen. Je précise que nos échanges avec ceux de toutes les autres tables rondes des régions de France seront repris par CCI France au sein d'une contribution qui sera remise au Premier ministre, au gouvernement officiellement. Donc un grand merci encore une fois à Brice Hortefeux pour sa présence. Cher Brice, nous savons pouvoir compter sur vous pour défendre les projets de notre région dans l'intérêt même de l'Europe. Et un grand merci évidemment à tous les participants. Merci pour votre engagement au service des entreprises et du territoire. Et merci enfin à celles et ceux qui ont suivi ces échanges à distance. Je souhaite que nous puissions nous retrouver en présentiel le plus rapidement possible. Merci à tous. Merci Philippe Guérand. C'est un webinaire que vous pourrez retrouver en replay dès la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous avoir suivis et bon appétit. Merci tout le monde.